السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، en cette soirée du mercredi, en cette soirée du mercredi, 1-1-1432 de l'Hégire, qui correspond avec le 8 décembre 2010. Inch'Allah, nous sommes avec le 35e cours, Inch'Allah, et le 30e hadith de Riyad Salihin. Nous sommes toujours dans le chapitre de la patience, Inch'Allah. Avant cela, j'ai remarqué que ces temps-ci, même quand je rentre dans d'autres salons, qu'il y a beaucoup de coupures. Il y a beaucoup de coupures, même dans d'autres salons. Donc je ne sais pas si cela a à voir avec la connexion ici en Algérie, ou bien le patron pour lui-même. Allahu a'lam. On verra, inshallah ta'ala. Akhi Mohamed, jusqu'à présent, ça va, inshallah. Jusqu'à présent, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, nous sommes toujours avec le hadith du sorcier. Naam, du sorcier. Qui allait mourir. Et qui quoi? Et qui a demandé, qui avait un sorcier. Et le sorcier, yani qui avait senti sa mort proche, parce qu'il avait vieilli, alors a demandé au roi de lui chercher quelqu'un pour le remplacer. Ou mieux, de lui chercher quelqu'un jeune pour lui apprendre la magie. Comme ça, s'il venait à mourir, le roi aurait, Inch'Allah ta'ala, un remplaçant. Donc, vous connaissez l'histoire. Et que, lorsque yani, ce jeune homme venait pour apprendre chez ce sorcier la connaissance d'un moine, parce qu'il passait auprès de lui. Et il a commencé à apprendre chez lui. Ensuite, il n'a pas su lequel des deux était plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, le sorcier ou bien le moine. Et un jour, il y avait une grande bête qui leur entravait le chemin. Alors il a pris un caillou et avant de frapper la bête, il a dit, Ya Allah, si le cas, la situation du moine est chez vous beaucoup plus aimé que la situation et le cas du magicien, alors tu es ce monstre, et tu es un petit caillou, il a tué une bête énorme. Or il a su que quoi? Il a su que donc Allah subhanahu wa ta'ala aimait qui? Aimait yani, le moine beaucoup plus que ce sorcier. Al-Muhim, on avait pris comme intérêt ici que il est permis, hein, des fois quand on a des doutes, de faire une action et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer, Ya Allah, si une telle chose est bien pour moi, alors montrez-moi un signe. Naam. Et si tu as, si tu as Allah subhanahu wa ta'ala, t'exauce ton doigt et t'exauce ton vœu, il te montrera le signe.
الشيخ بن عثيمين رحمه الله دي il a dit alhamdulillah nous notre nation qu'est-ce qu'elle a elle a la prière de la consultation ça la istikhara avant de faire une chose Allah subhanahu wa ta'ala de nous choisir en faisant salat istikhara. J'ai dit une fois, à la fois passée, que celle, la sœur, quand elle a des monstres, elle peut se suffire de la doua seulement, comme disent les savants. Elle ne peut pas faire la prière, donc si c'est quelque chose de précipité, alors elle fait seulement la doua de salat istikhara au lieu de faire la salat. Et on s'était arrêté où on a dit que le signe de sa istikhara, c'est des fois un rêve véridique, et c'est des fois quoi? Et c'est des fois, yani, pas spécialement un rêve, c'est des fois le fait, par exemple, de, yani, de me concerter avec des gens, de demander leur avis, donc un avis, hein, qui est quoi? Qui est le signe de sa istikhara, c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, t'as choisi quelqu'un pour qu'il te donne, par exemple, un conseil. Qu'il te donne un conseil. Et il a dit aussi sur ici, j'avais autre chose. Il a dit, ou bien c'est seulement quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala te donne directement dans le cœur. Dans le cœur, c'est-à-dire que tu sens ton cœur apaisé à faire cette chose, ou bien tu sens ton cœur gros et yani, vraiment tu ne penches pas vers ce projet. Ça veut dire que c'est la réponse de Salat Istikhara. Donc ce n'est pas toujours, on croit certains, que c'est toujours un rêve. Ce n'est pas toujours un rêve. Des fois c'est seulement quelque chose qu'on ressent au niveau du cœur. Ou bien comme j'ai dit tout à l'heure, on rencontre, donne une nasiha. Il vous donne par exemple une nasiha. Le shir dit. Donc, wa kana min karamati hadha al-ghulam annahu yubri'u al-akmaha wal-abras. Allah subhanahu wa ta'ala avait donné comme faveur et comme prodige à quoi? Un miracle à ce jeune-là, ce petit jeune. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné entre autres que il guérissait bi'idnillahi ta'ala al-akmah, l'aveugle-né, celui qui naissait déjà aveugle et non pas celui qui devenait aveugle après l'avoir vu dans sa vie. Non, celui qui naissait, il naissait dès sa naissance aveugle, celui-là, Allah Ta'ala a donné à ce jeune de pouvoir lui rendre la vue bi'idnillahi ta'ala. Ou l'abras. Il guérissait aussi le lépreux bi'idnillahi ta'ala. Comment il les guérissait? C'est-à-dire, comme dit le shir, يعني أنه يدعو لهم فيبرأون. C'est-à-dire, il leur faisait des doigts. Il leur faisait des doigts. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'était lui qui guérissait, mais c'est Allah Ta'ala qui les guérissait. Donc Allah Ta'ala fait de lui un sabab. Un sabab, il fait une doua, il demande à Allah Ta'ala de guérir cette personne, et Allah Ta'ala guérissait la personne. وَهَذَا مِنْ كَرَمَةِ اللَّهِ إِلَهِ. Et vraiment, c'est une grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour cette personne. وَلِيسَ كَرْتِسَةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمْ يَمْسَحُ صَحِبَ الْعَهَةِ فَيَبْرَى. Il a dit, et ce n'est pas comme le cas de Isa ibn Maryam. Il a dit, ce n'est pas le même cas. Pourquoi? Parce que Isa, alayhi salam, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il essuyait seulement sur, yani, disons, la peau de la personne qui avait la maladie. Et voilà que la personne, puis idnillah, guérit. Donc, Isa, alayhi salam, qu'est-ce qu'il faisait? Il essuyait la peau des gens. Quant à ce jeune-là, qu'est-ce qu'il fait? Il n'essuie personne. Il n'essuie la peau de personne. Il fait seulement des doigts. Il fait seulement des doigts. وَقَدْ أَخْبَرَ الرَّاهِبُ هَذَا الْغُلَامَ بِأَنَّهُ سَيُبْتَلَى. Et le moine avait bien yani, dit à ce jeune-là qu'il allait lui arriver quoi des épreuves. Il l'a bien prévenu, il lui a dit, attention mon fils, maintenant que tu as atteint, mashallah, ce degré de piété, ne pense pas que yani, ça va passer comme ça, sans épreuve. Et vous savez que tout croyant, plus la piété, plus la foi grandit dans son cœur, plus quoi,
plus les épreuves commencent à grandir. Et dans le hadith authentique, rapporté par Sahih Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait, il lui donne des épreuves. Donc, beaucoup de personnes ont des épreuves et croient que s'ils ont des épreuves, ça veut dire qu'Allah ta'ala les déteste. Alors que c'est le contraire qu'il faut penser. Si tu n'as pas d'épreuves, peut-être que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, peut-être que tu ne vaux rien chez lui. Et dès que les épreuves commencent, subhanallah al-azim, ça veut dire que vraiment maintenant tu as atteint un degré au classe, yani, tu as commencé à monter dans les échelons de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moine l'avait bien prévenu, lui a dit attention, non, mon fils, tu vas commencer à être éprouvé. Non. وطلب منه أن لا يخبر به إن هو ابتلي بشيء. Mais il lui a demandé que mon fils, si jamais yani, les épreuves vont arriver, je ne te demande qu'une chose, de ne pas me dénoncer, de ne dire à personne que tu me connais, que je te connais. C'est comme si yani, je n'existais pas, tu ne m'as jamais vu dans ta vie. وكأنها برودة الله أعلم مستجاب الدعوة. Il a dit à Allah Ta'ala qu'il a mis. Le Cheikh Rahmallah dit, et c'est comme si ce jeune-là, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, était vraiment quelqu'un qui, Allah Ta'ala l'a lui exaucé. Non. Wa kana lil maliki jalisun a'ma. Et le roi dont on parlait, avait bien sûr des gens qui yani, venaient s'asseoir auprès de lui. Non. Tout roi, tout président, à des gens qui sont proches de lui nam, et qui yani, s'assoient auprès de lui. Nam. Donc ce roi avait entre autres, parmi ceux qui s'assiedaient auprès de lui, entre autres, avait un aveugle. Nam, un aveugle qui s'assiedait auprès de lui. Alors cet aveugle, une fois, quand il a entendu qu'il y avait un jeune qui guérissait les qui bénit Allah, guérissait les aveugles et le rendait la vue, non? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a amassé beaucoup de cadeaux. Ensuite, il est parti vers le jeune et lui a dit, regarde mon fils, tout ce que tu vois là devant toi comme cadeau, c'est pour toi si jamais tu me guéris et tu me rends la vue. Alors le jeune lui répondit, justement moi je ne guéris personne. إنما يشفيك الله عز وجل. هذا كي يغيري سني فابوا. أخ محمد يكري نمرو 1. الشيخ بن عثيمين دي رحمه الله. انظر إلى الإيمان. انظر إلى الإيمان. إلى دي. Regardez الإيمان ما شاء الله. Regardez الإيمان. نعم. لم يخطر بنفسه وادعى أنه هو الذي يشفي المرضى. نعم. سجن. Qui montre vraiment sa piété et sa modestie, c'est quoi? C'est que il ne s'est pas fait des éloges à lui-même. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'autosatisfaction. Guéri, il n'a pas dit Naam, je guéris, je suis un guérisseur, je suis très connu, tout le monde me connaît, Naam, tu n'as pas vu mon nom dans les journaux, à la télé, je passe à la télé, tu ne me connais pas. Non, pas comme ça. Au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit jamais, moi je guéris, c'est impossible, on t'a menti, on t'a trompé, moi je guéris, subhanallah, il y a quelqu'un à part Allah qui guérit, tu te trompes Pierre, et moi je guéris personne, subhanallah, il a dit regardez, la piété, la modestie, le shirk dit, naam, si c'était un autre, peut-être qu'il aurait dit oui, moi je guéris, naam, bel qala, inna meshfi, Allah azza wa jal, il a dit, mais par contre, non, s'il y a quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guérit. Il a dit, وَهَذَا يُشْبِهُ مِنْ بَعْدِ الْوُجُوهِ مَا جَارَ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ تَيْمِيَا. Il a dit, et, yani, la façon dont a répondu ici le jeune, ça ressemble un peu au cas de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Alayhi rahmatullah.
حينما جيء إليه برجل مصروع قد صرعه الجني. lorsqu'un jour, نعم, on est allé vers Cheikh Ibn Taymiyyah, attiré par un djinn, possédé par un esprit. نعم, et vous savez que celui qui est possédé, son grand signe, c'est quoi? C'est il tombe et s'évanouit. Il tombe et s'évanouit et le djinn parle à sa place. Donc on a emmené cette personne chez Cheikh Islam, car elle était possédée par un démon. فقرا علي شيخ الاسلام ابن تيميه ولكنه لم يخرج. شيخ الاسلام a commencé à dire sur le démon le Coran et le démon n'a pas voulu sortir de la personne et l'a quitté. فجعل شيخ الاسلام يضربه. Alors شيخ الاسلام a commencé à frapper ce démon en frappant bien sûr la personne على رقبته ضربا شديدا. Il a commencé à le frapper sur son cou, non? Vraiment, si je puis dire, en lui faisant mal. Et dans certaines versions où j'ai lu le Majmou' al-Fatawa de Cheikh Islam lui-même, où il dit que des fois il le frappait jusqu'à 400 coups. Allahu Akbar, combien de coups? 400 coups. Ou sur le cou. 400 coups sur le cou. Ce n'est pas allé sur son dos, là, les fesses, là. Sur le cou. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça, yani, je ne conseille à personne de faire cette chose. Frapper quelqu'un sur le cou, il peut quoi? Il peut mourir sur le cou. Non. Et on se retrouve avec une âme musulmane morte sur notre dos. On se trouve en prison. Non. Mais celui-là, bien sûr, il sait ce qu'il fait. Il s'appelle Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Non. Il sait qu'il est vraiment... Yani en fait, en train de frapper le djinn qui peut, là, qui a la capacité de recevoir mille et 10 000 coups sans que ça lui fasse mal. Naam. Al-Muhim. Hatta inna yid Cheikh Islam awja'atu min dar. Au point où Cheikh Islam a eu mal à la main. Mal à la main à force de son démon sur le cou. Fattakallama al-jinniyu alladhi fi ar-rajuli wa qala lahu. Alors, le démon qui était dans la personne a parlé et a dit Akhruju karamatan li Cheikh. D'accord, je vais sortir. Arrêtez de me frapper, je vais sortir. Mais je vais sortir karamatan li Cheikh. Yani pour, yani si je puis dire, faire plaisir au Cheikh. Pour le ravir. Pour yani lui obéir. Non. فقال له الشيخ رحمه الله. Alors, Cheikh Islam lui a dit, Rahimallah, la tafruj karamatan li. Ne sors pas à cause de moi, pour me ravir, pour me faire plaisir. Non, tafruj, ta'atan lillah wa li rasulih. Mais je veux que tu sortes en obéissant, par obéissance à Allah Ta'ala et à son prophète. Non, pas en moi, non. Tu sors parce que, non, tu obéis à Allah Ta'ala qui t'ordonne de sortir, qui t'interdit de posséder les gens et comme l'aide. L'ordonner aussi son prophète alayhi salatu salam. Le Cheikh Rahimullah ibn Uthaymeen dit La yuridu an yakuna lahu fadl. Vous voyez, il a dit, Cheikh Islam ici, ne veut pas que, yani, une faveur pour lui. Si c'était nous. C'est pour ça qu'il a dit, ça ressemble à l'histoire du jeûnisme. Le jeûne, quand on lui disait tu guéris, il disait non, je ne guéris pas, c'est là qu'il guérit. Et c'est la même chose. On lui dit, Masha'Allah, le djinn est sorti à cause de toi, de ta science, de ta grande place, ton grand statut de savant. C'est pour ça qu'il est sorti. Il a dit, non, c'est pas à cause de moi que je veux qu'il sorte. Je veux qu'il sorte en obéissant à Allah et à son prophète. Pas à moi. Je suis rien moi. C'est pas moi qui l'ai sorti. C'est Allah Ta'ala qui l'a fait sortir. Non. Il a dit, bel, al-fadru lillahi azza wa jalla. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sa grâce. Allah est en dernier. Non. C'est par sa grâce qu'il est sorti. Faharaj al-jinn. Alors le démon, quand il a su qu'il n'avait d'autre solution que celle-là, sinon il allait mourir de coup, il a dit donc, je préfère sortir. Et il est sorti. Falamma kharaj al-jinn, ustayqadha ar-rajul faqala. Lorsque le démon est sorti,
qu'est-ce qui se passe lorsque le démon sort? La personne prend conscience, elle se réveille, elle est évanouie. Alors l'homme prit conscience et dit, Mallazi ja'a bi ila hadrat al-Sheikh. Subhanallah, je ne comprends pas le pays ici, l'âme, ici devant le Sheikh. Je ne comprends pas, moi j'étais chez moi. Qu'est-ce que je fais ici devant Sheikh Islam bin Taymiyyah? لأنه حينما صورع يمكن أنه كان في بيته parce que lorsqu'il s'est évanoui cette personne lorsqu'elle s'est évanouie peut-être qu'elle était chez elle à la maison chez elle à la maison au souqi ou bien qu'elle était dans un marché ou bien dans son magasin إذن il a dit ماذا الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ qu'est-ce que je fais ici chez le Sheikh فقالوا سبحان الله les gens disent سبحان الله ألم تحس بالضرب الذي كان يضربه سبحان الله tu ne sentais pas lorsqu'il te frappait tu n'as rien senti il a dit ما أحسست به ولا أوجع jamais je n'ai senti une chose ni il ne m'a fait mal non, jamais j'ai senti une chose ni il ne m'a fait mal فأخبروه فبوري أراجو on lui a raconté ce qui s'est passé et comment il a été roué de coups et il a été frappé sur le cou plus de 400 coups et on lui a raconté subhanallah al-azim il s'est étonné il a dit yani vraiment je n'aurais pas cru si vous ne l'avez pas dit ça me rappelle une fois j'ai été faire une ruqya n'am à une vieille dame peut-être Allahu a'lam de 85 ans, 90 ans ou bien plus. La preuve, quand son fils l'a appelé, elle est rentrée, le dos courbé. Quand on marche le dos courbé, ça veut dire que on a dépassé peut-être les 90 ans. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, وَرَدْهُمَّ رَدْهُنَّهُ أَسْفَلَ السَّفِدِينَ أَسْفَلَ السَّفِدِينَ c'est vraiment quand place, yani il a atteint disons les dernières années de sa vie. Et il a dit aussi وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ et dans une autre version نُنْكِسُهُ c'est-à-dire il a dit celui à qui je donne beaucoup de vie, beaucoup d'âge نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ je lui plie son dos. C'est pour ça que yani, tous ceux qui dépassent 80 ou 90 ont le dos plié de Mohim. Lorsque cette dame, cette vieille est rentrée, je commençais à faire la ruqya, ensuite elle s'est évanouie, et j'ai commencé à la frapper sur le cou, exactement comme a fait Cheikh l'Islam. On m'a rappelé, on m'a donné un manche à balai. Vous connaissez le manche à balai? Essayez de casser le manche à balai, si vous pouvez le casser avec vos mains. Frapper avec la main. Si vous pouvez casser un manche à balai, c'est impossible. Vraiment, le manche à balai, ceux qui ont l'habitude de balayer, savent qu'il ne se casse pas facilement. Ce manche à balai, bi'idnillahi ta'ala, c'est cassé sur elle. Subhanallah, c'est cassé sur elle. Et à la fin, bi'idnillahi ta'ala, le djinni, le démon est sorti. Et lorsqu'il est sorti, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça vraiment le plus étonnant. D'un coup, elle s'est réveillée. Et elle s'est levée toute droite. Droite, comme nous tous. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu le dos courbé. Droit comme ça, comme nous. Et a commencé, subhanallah al-azim, à sauter dans la chambre en allant, yani, d'un côté, du début de la chambre vers sa fin, en courant, comme court un lapin, et en frappant les murs. Elle frappe ce côté, elle revient en courant, elle frappe ce mur. Subhanallah al-Azim, son fils s'est étonné. Jamais j'ai vu ma mère, ni j'aurais cru que ma mère avait cette force. Et subhanallah al-Azim, comment se fait-il qu'elle était courbée, maintenant elle n'est plus. Je lui ai dit peut-être que c'est le shaitan qui faisait d'elle, qui l'a rendue comme ça vieille, alors que, vous savez, des vieilles, des vieux qui habitent à la campagne et qui boivent beaucoup de lait, de lait pur, beaucoup d'huile d'olive, etc. Ils font beaucoup de ménage, etc. Celles-là, elles ont beaucoup de force, même les vieux.
environs, remarqué les vieux, les compagnons, ils vivent, machallah, ils sont forts. Il n'y a ni cigarettes, ni fumée, ni rien. Seulement de l'air pur, ils mangent seulement des vitamines. Un الشاهد لو تيمون دو كور ان اهل العلم والايمان لا ينسبون نعمه الله اليهم لو تيمون دو كور ici c'est quoi avec l'histoire de Cheikh Islam et l'histoire du jeunisme c'est quoi le témoin du cours c'est que les gens de la science et même les gens de la foi même s'ils n'ont pas de science les gens de la foi et de la piété ne disent jamais quand ils ont une ni'ma qu'elle est venue d'eux. Mais ils disent toujours venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelque chose de bien lui arrive, qu'est-ce qu'il disait ? Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi ni'matillah. C'est pas ni'mati. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. الصالحات les choses bien ont eu lieu بنعمتي qui بنعمته الله et ce n'est pas بنعمتي الله تعالى dit dans le Coran وما بكم من نعمة فمن الله et tout ce qui vous arrive comme نعمة ça vient d'Allah c'est comme ça que le croyant doit penser on doit toujours avoir le cœur dès qu'une نعمة arrive une ni'ma, que ce soit un enfant, que ce soit, je ne sais pas, une richesse, une bonne santé, un mohim. Une ni'ma t'arrive, la première des choses à faire, c'est quoi ? C'est de dire que cette ni'ma est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent, de le remercier. Au moins, dire Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimu salihat. C'est la moindre des choses à faire. Un mohim. Donc, il a dit les gens de la science et les gens de la piété, jamais ne disent les venus de nous-mêmes. Hein, comme disent les Johad, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh, non, c'est moi qui ai souffert, c'est moi qui ai sué, c'est moi qui cours du matin au soir, c'est moi ceci, c'est moi cela, si c'était pas moi, c'est... Non. Eh, c'est d'abord Allah Ta'ala qui te l'a donné. Toi, t'es seulement une cause, un petit sabab, t'es rien. C'est Allah Ta'ala d'abord qui te l'a donné. Ah. Donc, cet homme, ce non-voyant, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, donc, il lui a dit, pardon, le jeune lui a dit, فَإِنْ أَنْتَ أَمَنْتَ دَعْوْتُ اللَّهِ لَكَ Si toi, tu crois en Allah Ta'ala, tu veux rentrer dans sa religion et croire en lui, alors je vais te faire des doigts, il va te guérir. Voilà comment ça va se passer. Donc, l'autre a accepté et le jeune a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ta'ala et ce non-voyant a commencé à voir alhamdulillah vous remarquez maintenant de nos jours que il a été découvert que beaucoup de non-voyants commencent à voir bi'idhnillahi ta'ala si leur maladie ou leur non-voyance vient du côté de ce qu'on appelle la cataracte naam quelque chose, une petite opération, et commence à voir. Et pourquoi ? Parce qu'il avait juste un voile hein, qui lui entravait la vue et ne pouvait pas voir. Mais à condition que ça soit, comme j'ai dit, la cataracte. La cataracte. Je pense cataracte avec si. Wallahu a'lam. Tayyib. Donc, c'est-à-dire, il y a des djadis ou il y a des medics. Adam. Maintenant, cette personne que Allah lui a rendu la vue, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est revenue de nouveau et est allée s'asseoir auprès du roi, comme d'habitude. Il fait partie des proches du roi. Presque une fois par semaine ou deux fois, il va chez le roi, ils s'assoient ensemble, ils discutent, ils boivent du thé, etc. Donc, il est allé s'asseoir auprès du roi. Alors, le roi lui a posé la question, il lui a dit « Mena da'alika basara » Il lui a dit, oh, qu'est-ce qui se passe ? Je vois que tu vois maintenant. Dis-moi, qui t'a rendu la vue ? Comment tu as fait ? Chez quel médecin tu as été ? Il lui a dit, Rabbi, c'est mon Seigneur qui m'a rendu la vue. Il lui a dit, Walaka Rabbun Ghayri. Ah bon ?
Parce que tu as un autre Seigneur que moi. Il lui a dit, Naam, Rabbi wa Rabbuk Allah. Il a dit, Naam, mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Il a dit, mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Ah bon? Alors le roi l'a pris et a demandé à ce qu'on commence à le torturer et on a commencé à le torturer pour qu'il renie sa foi, il revienne et annie et reconnaisse que c'est ce roi qui est le Seigneur, il n'y a pas un autre Seigneur. Il a commencé à le torturer, Naam, comment tu as eu la vue, comment tu as eu cette vue, jusqu'à ce que il a quoi? Il a dénoncé le jeûne. Naam, il a recouvrer sa vue par le biais de ce jeûne, le biais de ce jeûne qui était le sabbat. Alors, on a fait venir ce jeûne. Et on a commencé aussi à le torturer. On a commencé aussi à pour qu'il dénonce comment lui aussi, il a atteint ce rang où il peut guérir. Comment il peut guérir. Et d'après eux, c'est lui qui guérit. Et vous savez que le moine lui avait bien dit auparavant et il avait prévenu que il allait avoir des fitna, il allait avoir des épreuves. Il lui a dit attention. Attention, si jamais il t'arrive des épreuves et des fitna, attention, tu me dénonces. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais bien sûr, il n'a pas pu. Ce jeune, yani, surtout que c'est un jeune, la torture, yani, elle est yani, vraiment quelque chose que yani, on ne peut pas supporter. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans un instant de faiblesse, il a dénoncé qui? Il a dénoncé le moine. Non, il a dit que c'est, yani, il y a un moine. Il y a un moine qui m'a appris ces choses. Wa kana hadha al-maliku al-jabbar al-'iyadu billah. لما دلوا على الراهب جاء بالراهب. Et il a dit, هذا الملك, ce roi-là, c'était, أعوذ بالله, vraiment un tyran. C'était vraiment un dictateur. Non. Alors, lorsqu'on a dénoncé le moine, il a demandé à ce qu'on ramène le moine. Et on l'a ramené, on lui a dit, renie ta foi. Irji'an dinik, renie ta foi. Mais il a refusé qu'il revienne et yani, qu'il renie sa foi. Alors, ça a été une minchar. Alors, on a ramené une scie. Fashadabou min mafraqi ra'si. On a commencé à le scier en commençant par le milieu de sa tête. Fabada'u bil ra's. Ils ont commencé par la tête. Thumma raqaba. Ensuite, le cou. Ensuite le dos, jusqu'à ce qu'il soit devenu deux morceaux. Il s'est coupé en deux. Nam shikay. Sakata shikon huna ou shikon huna. C'est-à-dire deux morceaux. Un morceau est tombé de ce côté et le deuxième morceau est tombé de l'autre. Mais tout cela n'a pas pu le faire revenir de sa religion, ni nous l'a poussé à renier sa religion. Abba an yarja. Wa radi an yuqtal hadi al-qitla wa la yarja an dinih. Il a accepté qu'il meure de cette façon atroce, scié en deux, mais non, il a refusé de renier sa foi. Le cheikh dit, Masha'Allah, une fois que yani, j'accepte qu'on me scie, on me coupe en deux, et je ne sors pas de ma religion. Je ne m'apostasie pas. Non. Tout m'a dit, Abu Rajulin Ama. Il a dit qu'il y a un djadis indé al-Malik ou Amnabir. Ensuite, on a fait venir l'aveugle, celui qui était aveugle auparavant et qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Fait d'où il y a un yirji al-Dini. On lui a demandé, il a refusé. Fait d'où il a béni kamakou il a béni. On a fait de lui exactement comme on a fait du moine, c'est-à-dire on l'a coupé en deux avec la scie. Et il n'est pas revenu de sa religion. Il n'a pas renié sa religion. Le cheikh, si ceci
يعني montre quelque chose, ça montre que يعني on est obligé de patienter à cause de quoi? À cause de notre religion. On est obligé de patienter à cause de notre religion. ولكن هل يجب على الإنسان؟ Le cheikh pose une question. Est-ce que c'est obligé pour la personne de patienter jusqu'à mourir? Non, c'est obligé de patienter en général. On patiente pour sa religion. Mais est-ce qu'on patiente si, même si يعني, on doit mourir, ou il y a juste un yahoud à kalima qui kofri, ou la tadullahu ida kalam quran? Ou bien peut-on dire une parole, même si c'est une parole de mécréance, si et lorsqu'on est sous la contrainte? Donc c'est ça la question que pose le chef. Il dit, quand on est sous la contrainte et on veut par exemple nous tuer, quel est le mieux? C'est de patienter jusqu'à mourir, ou bien on a le droit de dire la parole? Par exemple, on nous demande d'insulter par exemple Allah ou Allah. Ou bien il a dit, on peut faire chose si on a le cœur apaisé par la foi et qu'on est sous la contrainte. C'est quoi la réponse? Il a dit cela dépend. Ce n'est pas un constat général, mais il y a des détails. إن كانت المسألة تتعلق بنفسه فله الخيار. Il a dit si la chose, par exemple, pour laquelle on nous a contraint, il a dit si ça a rapport avec la personne. Il a dit dans ce cas, إن شاء قال كلمة الكفر دفع عن الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. Il a dit maintenant, c'est une chose qui a rapport seulement avec la personne. Et on m'a contraint à dire une parole de mécréance, il a dit, tu peux le dire. Tu peux le dire si tu veux. Non. Pourquoi? Car tu es sous la contrainte. À condition d'avoir le cœur apaisé par la foi. Dans ton cœur, non, tu n'aimes pas cette chose. Dans ton cœur, tu es contre cette chose. Non. Tu ne sens pas un apaisement dans ton cœur. L'apaisement vers yani, la parole que tu vas dire. Non, tu es contre cette parole, contre la personne qui t'a demandé de faire cette chose. Attention, c'est très important. Non. Wa insha'a. Et si par contre il veut aussi, asara wa adora, il yani, il persiste dans sa situation et quitte à mourir. Non, il patiente. Quitte à mourir, et il ne dit pas la parole de méfiance. Il a dit tout ça, si quoi? Si ça a un rapport avec la personne seulement. Si une personne, il y a un X ou Y, n'importe quelle personne, choisit par exemple un institut d'islam, ou bien on te coupe la tête. Tant que il a la foi, et il sent son cœur apaisé et plein de foi, et qu'il est sous la contrainte, il choisit. Il a le choix. S'il veut. Il dit la parole de mécréance, s'il veut, il patiente et il ne la dit pas jusqu'à mourir. Il a dit par exemple, on dit à une personne, fais une prosternation à la statue. Quand même, il n'a pas accepté, on l'a tué. Ou bien, il a fait la prosternation juste pour qu'on ne le tue pas, alors que dans son cœur, il déteste cette chose. Et il est contre cette chose. Donc tout ça, c'est dans le cas où ça a rapport. Mais maintenant, si ça n'a pas rapport seulement avec la personne, mais ça a rapport avec la religion, c'est-à-dire, c'est-à-dire que s'il dit la parole de mécréance, même si c'est avec le bout des lèvres, pas avec le cœur, أمام الناس لا كفر الناس من تبديه attention c'est pas comme auparavant on va lui dire fais une prosternation à une statue, il est seul lui avec la statue. Non, maintenant c'est un autre cas. Il y a par exemple une centaine de gens, ou il y a eu un millier de gens, ou je ne sais pas combien, ou tu as la télévision, tout le monde est en train de t'entendre, on te dit par exemple
taille. Donc là, dit par exemple que l'islam, dit par exemple que Mohammed n'est pas un prophète, dit par exemple telle et telle chose, qu'Allah Ta'ala fait de l'injustice. Et que, si tu vas dire cette chose, il y a des gens qui sont en train d'entendre, des centaines, des milliers peut-être, et que ils vont prendre de ce que tu dis. Tu es très connu, tu es un modèle, tu n'es pas n'importe qui. Il a dit, dans ce cas, ce n'est plus permis de prendre la permission et de dire, Allah, je suis sous la contrainte. Dans ce cas, il a dit, ben yajib an yasbir wa law qutil. Il doit patienter, même si on lui coupe la tête. Il doit patienter, même si on lui coupe la tête. Quel djihad fisabilillah ? C'est comme le djihad fisabilillah. Quand tu vas au djihad, la guerre sainte, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire, je vais au djihad, mais je vous fais une condition. Il ne faut pas me couper, ni me frapper au visage avec le sabre, ni me couper la main. Je vais au djihad, à condition que je revienne sain et sauf, et je reviens avec le butin et de l'or et des femmes, et je vais me promener avec mes enfants. C'est ça le djihad. Tu vas au djihad, on t'attendra tout. Il a dit la même chose. Ici, tu dois patienter, tu leur dis non. Allah Ta'ala est juste. Non. L'islam, na'am, c'est la religion seule qui est véridique. Toutes les autres ont été falsifiées. Tu dis ça, na'am. Tu dis le prophète islam, na'am, est l'homme le plus pur. Na'am. L'homme le plus pur de tous les hommes. Na'am. Et quitte, je suis prêt à ce que vous me coupiez la tête. Pourquoi ? Car si jamais tu dis le contraire, tu es un modèle. Tu vas feinter et tromper tous les gens qui sont en train de t'entendre. Tous ils vont te suivre. Ils vont dire, ah, celui-là, il sait ce qu'il dit, c'est un sabre. S'il a dit ça, ça veut dire qu'il a dit la vérité. Voyez ? فإذا كان إماما للناس وأجبره لا يجوز له أن يقول لك انكب لا سيما في زمن فتنة بل أن يصبر ويقف. S'il est un imam, un modèle, quelqu'un de très connu, نعم, surtout pendant les périodes de la fitna, il y a une fitna, نعم, il doit dire la vérité. S'il y a des gens qui sont en train d'attendre sa réponse, il a dit quitte à ce qu'on lui coupe la tête. ومثل ذلك, et l'exemple de cela, ما وقع للإمام أحمد, ce qui est arrivé à l'imam Ahmed عليه رحمة الله حين امتحن المحنة العظيمة المشهورة, lorsque il a été éprouvé la grande épreuve très réputée. Quelle épreuve? على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله. On lui a dit, écoute, ou bien tu dis le Coran a été créé. Comme disent les Ahbash. Les Ahbash disent le Coran, on lui a dit, tu dois dire, le Coran est créé, a été créé, non, ou bien on va te couper la tête. Choisis entre les deux. Le Coran a été créé, non, ou bien, yani, on va te rouer de coups jusqu'à mourir. Ta'aba. Non, ta'aba. Il y avait avec lui 3 ou 4. Non, je crois qu'il était 6. 2 ou 3 qui étaient avec lui, ont pris de la permission et ont dit ce qu'on leur a demandé. Allah Ta'ala leur pardonne. Non. Lui, il a dit non. Il a dit non. Comment je vais dire une chose pareille? Il y a des, je ne sais pas combien de gens se sont rassemblés autour de lui, et des milliers, peut-être 1 million ou plus, et ils étaient en train d'attendre. Est-ce que va dire l'imam Ahmed, le grand savant, pourtant? Qu'est-ce qu'il va dire? On va voir. On va voir s'il va dire le Coran a été créé, ou bien il va dire non, le Coran c'est la parole d'Allah. Comme Allah n'a pas été créé, le Coran aussi n'a pas été créé, c'est sa parole. Comment? Je dis d'un côté Allah n'est pas créé, aussi je dis sa parole est créée. Alors je dis aussi sa main est créée. La main d'Allah est créée. Non. Si Allah Ta'ala n'est pas créé, rien en lui n'est créé. Non. Et il a patienté, on l'a roué tout. Il est resté je ne sais pas combien, des mois et des mois, il ne peut pas se lever, non, ni marcher, ni faire la prière de vous. Non. On le frappait jusqu'à ce qu'il tombait évanoui. Et il n'a pas dit,
Alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a donné la permission. Allah Ta'ala m'a donné la permission, je suis sous la contrainte. Ceux-là, ils veulent me tuer, ils n'arrêtent pas de me frapper jusqu'à ce que je m'évanouisse. Donc moi, je vais dire, le Coran est créé, et je vais chez moi avec mes, avec ma femme et mes enfants au plat. Alors Allah, c'est plus fort que moi. Non. Ils l'ont roué de coups jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, et il a patienté. Le Coran est créé? Non. Le Coran n'est pas créé, c'est la parole d'Allah. Le Coran est créé? Non. Le Coran n'est pas créé, c'est la parole d'Allah. Et comme ça, on le frappe, jusqu'à qui s'évanouit, quand il prend conscience. Alors, le Coran est créé, le Coran n'est pas créé, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah. Après, comme ça. وَإِنَّمَا ذُلُّ جِزِّ نَفْسِهِمْ يَقُلْ إِكْرَهْ لِأَنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَ مَا سَيَقُولُ الْإِمَامْ أَحْمَدِ. Il n'a pas voulu prendre, avec la permission, Allah Ta'ala t'a permis, si tu es sous la contrainte, de prendre la permission et de dire une parole de mécréance, lui n'a pas voulu prendre cette permission. Pourquoi? Parce que les gens, des milliers, ce n'est pas des millions, des milliers, étaient en train d'attendre sa réponse, Imam Ahmed. Allons voir ce que dit Imam Ahmed. فَلَوْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقُ. Si jamais il avait dit le Coran était créé, لَا صَارَ كُلُّ النَّاسِ يَقُولُونَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقُ وَفَزَدَ الدِّينِ. Si jamais ce jour-là, Imam Ahmed avait dit le Coran était créé, alors tout le monde, sans exception, de ceux qui étaient en train de l'entendre, à partir de ce jour, auraient dit le Coran est créé. Et le dîn, là, n'aurait peut-être plus existé le vrai dîn. Le faux dîn, le dîn des Ahbash, qui disent entre autres, parmi leurs mécréants, ils disent le Coran est créé, c'est pas la parole d'Allah, c'est la parole du Jibril. Entre autres, non, donc le dîn nous serait arrivé déformé, ou l'ayyadu billah. On aurait dit, Allah Ta'ala a quelque chose en lui de créé, là, sa parole, ou l'ayyadu billah. Non. Mais alhamdoulilah, l'imam Ahmed a été un sabab pour la préservation du din, quitte à ce qu'il subisse les plus grandes tortures du monde. Mais ma'alish, je vais trouver la récompense demain quand je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été le sabab pour sauver des milliers et des millions de gens. Non. وَلَكِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ. Mais, رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ, que Allah Ta'ala l'a gré, جَعَلَ نِفْسَهُ فِدَاءً. Il a donné son âme en sacrifice, l'idin, à cause de la religion. وَمَعَ هَذَا صَبَرَ وَاحْتَسَبَ. Et il a patienté et il a espéré la récompense. وَكَانَتِ الْعَاقِبَةُ لَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. Et la fin a été acquise, la finalité des choses, ou l'aqiba, c'est à lui qu'elle est revenue, c'est à l'imam Ahmed. Pourquoi? Mathal al-Khalifa, le gouverneur, naam, qui lui a fait cette fitna, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ma'moun, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Wa mathal al-Khalifa al-Thani alladhi ba'da. Ensuite, il y a un deuxième qui a pris sa place, naam. Celui-là aussi était contre l'imam Ahmed. Celui-là était le djihad, il est mort aussi. Il est mort. Wa ata Allahu, alors là, bi khalifatin salih, le troisième imam. Khalifa salih, quelqu'un vraiment de bienfaisant, de bienveillant, de pieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Akramat imam Ahmed. Naam, il a fait de l'imam Ahmed, il lui a fait un ikraman azimen. Il lui a donné vraiment un haut courant. Il l'a rapproché de lui et l'a élevé à un rang plus haut, tellement il l'a aimé, tellement il a vu en lui un grand sabre. Non, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah ta'ala qui commande et qui régit cet univers. Non, ce gouverneur fait une fitna à l'imam Ahmed, Allah ta'ala lui prend son nom. Et bien un autre mauvais, Allah ta'ala lui prend son nom. Et bien un troisième, Allah Ta'ala lui choisit quelqu'un qui maintenant rapproché de lui et yani, vraiment le prendre comme modèle. Naam. فَمَا مَاتَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ حَتَّى أَقَرَّ اللَّهَ عَيْنَهُ. Imam Ahmed n'est pas mort, rahimahullah, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait ravi son cœur. Il ravit son cœur. بِأَنْ يَقُولَ الْحَقَّ عَالِيًا مُرْتَفِعَ الصَّوْتِ.
ويقول الناس الحق معه. Donc l'imam Ahmed n'est pas mort rahimahullah jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui a montré n'am comment c'était la fin des gens qui sont pieux et qui font comme ça des sacrifices pour le vivre. Maintenant, il a vu comment tout le monde disait alhamdoulillah, le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran n'est pas quitté. Wa khulila a'da'uhu, et ses ennemis, tous les ennemis qui étaient ses ennemis, hein, sont devenus makhdoulin, ont été humiliés, avidés. Ceux qui remplissaient les gouverneurs contre Imam Ahmed, remplissaient leur cœur de haine. Ceux-là ont été avidés. Wa hada dalil ala anna al-aqibata lis-sabirin. Et ça, c'est une preuve que la fin, c'est pour les patients. Wa huwa kadhalik, et c'est toujours comme ça. Wa Allahu al-muwaffiq. Et qu'Allah Ta'ala nous aide. Comme ça dit Cheikh, et je vais mettre un petit point ici dans le livre pour m'arrêter. On va commencer à répondre aux questions dans 5 minutes, inshallah ta'ala. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Akhi Muhammad. Salam alaykum wa rahmatullah. Tafaddal li moi les 5 questions. Barakallahu fik. Les 5 premières. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, ça va, cher. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, cher. Nous avions dit une fois que la waskiri était halal, mais lorsqu'un ingrédient était douteux, il valait mieux s'en écarter. Il existe des vaches qui rient discount, au premier prix, et dedans il y a parfois des ingrédients, comme dans chaque autre produit, vraiment douteux. Lorsqu'on effectue des recherches sur les additifs alimentaires, doit-on s'en éloigner ou pas des produits douteux, et prend-on des péchés? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une sorte de monde. Alors, c'est assez délicat, cher. Ma mère était malade depuis plusieurs années. On ne savait pas de quoi elle était malade. Et il y a deux procédés. On lui a fait plusieurs ruqyas. Ça partait, ça venait souvent ces deux dernières années. Et elle a fait plusieurs ruqyas. Parfois même plusieurs fois par mois, et après on... Et après j'ai su ce qui faisait... Après, cher, parce que ça peut abréger. Et après, j'ai su que ceux qui faisaient la ruqya travaillaient avec les djinns, Allah a'lam, ils ne faisaient pas les ruqya shariyan. Donc après on a trouvé un bon raqi, alhamdulillah, qui fait la ruqya selon la sunnah convenablement. Mais donc, voilà, les anciennes ruqya m'ont traumatisé, depuis je ne dors plus le soir. Et je ne sais pas quoi faire, ça fait 2 ans que ça dure, chaque soir je revois tout ça, et j'entends le djinn, et je revois ma mère dans cet état, et je n'arrive pas à dormir seul. Et j'ai fait moi-même des ruqya. Il n'y a pas eu de djinn qui s'est manifesté. Mais je ne sais pas d'où vient le problème, ou si un conseil à donner, ou un truc à dire, sachant que je fais les dua du soir. Troisième question. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher, c'est assez urgent, j'ai un projet, inshallah. Mais avant, je voudrais votre avis, j'aurai une série de questions par rapport à mon projet, inchallah, à vous poser. Est-ce possible que vous me donniez une adresse email où je pourrais vous contacter, inchallah, car je ne peux pas entreprendre quoi que ce soit l'avis d'une personne de science, inchallah. Voilà comment vous faites, mon cher.
Cher, bon, ça c'est pas vraiment une question. Si vous voulez que j'en rajoute une, vous me dites, cher Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Quel est le statut d'un musulman qui prie, jeûne, etc., mais qui fait du shirk, plus précisément, doit-on l'appeler mushrik, le kafir ou muslim? Doit-il y avoir une. Doit-il y avoir le qaman? Comment est-ce que vous pour cela? Voilà, là, on fait comme moi, je sais comment on fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Le soeur pose la question suivante. J'ai demandé le khul il y a plus de 2 ans, mon ex-mari a accepté. Je suis retourné chez mes parents et récemment, une sœur m'a dit qu'il n'était pas valable et que je suis toujours marié car d'après elle, on aurait dû prendre 2 témoins. Est-ce vrai? Si oui, que dois-je faire pour que ce soit valable? Voilà comment on fait compte. Je rajoute la question, cher. Ce n'était pas une, la troisième. Salam alaikum. Dans quel moment doit-on lever les mains pour faire des du'as et dans quel cas ne doit-on pas les faire? Et les du'as en groupe sont-ils une innovation? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une chose est simple. Alhamdoulilah. Pour je commence par la cinquième, comme ça j'écris pas la cinquième question. Pour faire les doigts, là, question, est-ce qu'on lève les mains ou est-ce qu'on ne lève pas? Il y a des moments, il y a des situations où il est sunna de lever la main. Et des situations où il est interdit de lever la main. Et des situations où ce n'est ni recommandé ni interdit. Ça revient à nous-mêmes. Je donne un exemple. Le premier cas où il est sunna, par exemple, de lever la main, c'est par exemple, fait à Arafat. Quand on est à Arafat, et on sort après, pour attendre le rouleau, le coucher du soleil, et puis ça passe, on est en face de la Qibla, on lève la main pour faire les doigts. Ça, c'est un exemple. Ou est-ce interdit, par exemple, de faire les doigts, par exemple, de lever les mains, c'est par exemple quand l'imam est sur le minbar le vendredi. C'est interdit de lever les mains pour l'imam et faire les doigts. Et aussi, c'est interdit pour ceux qui sont en train d'écouter. Reste la troisième, où on est libre, c'est dans les cas où il n'y a ni interdiction, ni recommandation. Par exemple, je suis maintenant, vous par exemple, il y a une personne qui est en train de m'écouter par exemple maintenant, ensuite elle s'est rappelée une chose, et elle veut faire des doigts, par exemple. Ici, puisqu'il n'y a ni recommandation de lever les mains, ni interdiction. Quel est le mieux? C'est de lever les mains ou de ne pas lever? En général, le mieux, c'est de lever les mains quand on fait les doigts. À condition, comme j'ai dit, qu'il n'y ait pas d'interdiction. Et les savants se basent sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala yistahi. Si quelqu'un lui lève la main, qui lui rende les mains vides. Tout le monde connaît le hadith, il est authentique. En général, donc, quand je fais des doigts, en général, je lève les mains. En général. À condition qu'il n'y ait pas quoi? Qu'il n'y ait pas une interdiction de les lever. Par exemple, après la salade, quand je termine la salade, par exemple, je ne lève pas les mains si je veux faire des doigts. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait la salade, il levait les mains et faisait des doigts. On prend beaucoup de nos vieux dans la mosquée, par exemple. Mais, en général, quand je suis à la maison, que dans la voiture, que dans la rue, que dans la cuisine, et que je pense à quelque chose, et je veux faire des doigts, en général, comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah,
enlève les mains du Ibn Daytala. Mais attention, il faut faire la différence entre certains se trompent quand ils lèvent les mains, ils les lèvent vraiment haut et ils ouvrent vraiment les bras, ils lèvent les bras et ouvrent les bras jusqu'à ce qu'on voit leurs aisselles. Ils se basent sur le hadith du Prophète qui disait quand il faisait du'a, il faisait ainsi. Mais il se trompe. Car ça, c'est quand il faisait une sorte de doigt spécial qu'on appelle ibtihad. Sinon, pour les doigts en particulier, non. On lève les mains au niveau du visage. Et on joint les deux mains. C'est-à-dire les deux petits doigts, les auriculaires, l'auriculaire de la main droite, de la main gauche, se touchent. Et mes mains sont ouvertes au niveau de mes yeux, comme ça, près de mes yeux, hein, mes coudes sont en train de toucher mon corps, et je fais du doigt, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc voilà pour les doigts, bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala. Personne dit des choses, etc. Et a des doutes, alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors qu'elle s'éloigne de cet aliment, qu'elle s'éloigne de lui, il ne le mange pas, hein, celui qui a des doutes, comme dans le hadith. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Et on dit aussi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Donc, éloigne-toi de ce qui te fait des doutes vers ce qui ne te fait pas, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à condition. La condition, c'est quoi? Ne dis jamais aux autres, attention, c'est haram, il ne faut pas manger cette chose, tant que tu n'as pas une fatwa. Tant que tu n'as pas un savant qui a fait sortir une fatwa, qui dit que cette chose ne se mange pas, ne dis jamais aux gens, attention, c'est interdit de manger cette chose. À la rigueur, tu peux leur dire attention, cet aliment contient une matière douteuse. À la rigueur. Mais, se mettre à la place d'un savon et interdire, et dire cette chose est interdite, il ne faut pas la manger, attention, attention, tu vas interdire des choses que Allah n'a pas interdit. Pour la personne qui dit qu'elle était possédée, etc., hein, et que car pour que le djinn t'aide, il faut que tu travailles avec lui et il faut que tu sois toi-même possédé. La preuve, il fait d'abord ce rafi, fait d'abord appel au djinn, hein, il fait comme ça des choses, il lui a dit des choses, là ensuite le djinn vient et rentre dans son corps, et quand il rentre dans son corps, le djinn maintenant commence à parler, bien sûr par le biais de la personne du rafi, et dire na'am, tu as un djinn, toi tu as un sihr, toi tu as ceci, toi tu as cela. Et bien sûr, 90% de ce qu'il dit c'est mensonge, na'am. Donc, maintenant, alhamdoulilah, la personne est tombée sur un bon rafi, et dit, yani, que c'est pas ce qu'elle fait, ou là je ne vais pas demander un conseil, quelque chose comme ça. Non. Donc on conseille, non, de ne pas exagérer de la route et en allant chez les gens, mais de faire le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala et de se faire la route et à soi-même et de dire comme elle dit elle les doigts du matin, du soir, de Coran et pour la doudra falak, pour la doudra binas et demander à être coursé et demander on dit à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de nous l'ashrar, les mauvais. Ensuite, un dernier conseil à toutes les personnes qui sont atteintes de djinn, etc., hein, que deux conseils. La première, n'aime
que quoi, l'obscurité des obscurités. Dès qu'il voit que la personne elle veut s'illuminer et devenir toute lumière, il l'applique. Il va vers une autre. Il dit, moi, il y a des classes. Moi, je ne peux pas vivre dans un endroit comme ça, tout propre, tout pur, tout illuminé. Et il part. Part chercher un trou dans une obscurité, un cœur obscur, un cœur plein de bidailles comme ça. Il dit, c'est la première nasiha de dire beaucoup la aqida. Attendez, la deuxième, je l'avais dans la tête, jusqu'à ce que je ne pas oublier, deuxième conseil. Deuxième conseil, j'ai dû oublier, c'est dommage, que dans la langue de Shaitan, mais je sais, Inch'Allah, je sais qu'il va me revenir, et je vais le dire, Inch'Allah, ta'ala, dans le cours. Inch'Allah, ta'ala. Taïr. Pour la troisième personne, il faut lui donner, la troisième personne, il faut lui donner mon adresse et email en privé, là, et il m'écrira avec, en quoi en titre, projet, de mon avis sur projet. Là, pour la quatrième personne, la personne qui fait, musulman qui fait le chiffre, etc. Là, musulman qui fait le chiffre, etc. Est-ce que c'est un mouchidique en faisant le chiffre, ou là, il faudrait quoi? Il faudrait établir, si vous voulez, la preuve. Non, on doit, Ibn Aïtala, établir la preuve sur quelqu'un pour dire de lui que c'est un mouchrik. C'est-à-dire, apparemment, pour nous, c'est un mouchrik. Il fait des choses de chiffre. Mais il y a une grande différence entre il fait du chiffre et il est devenu mouchrik. Non. Pour qu'il soit devenu mouchrik, il faut quoi? Il faut tahqiq shurut. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies ou un type mawani. Il faut qu'il n'y ait pas de quoi, qu'il n'y ait pas des mawani, qu'il n'y ait pas des. S'il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est du kofr. Il devient kafir, il devient mouchrik quand il sait. On lui dit, regarde, ça c'est du shirk, c'est du kofr ce que tu fais. Et il reconnaît dans son cœur que c'est vrai. Et il continue à faire. Il dit non, je m'en fous. Je fais du chef. Vous comprenez? C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans le Coran: وَمَثَلَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Jusqu'à ce qu'il leur montre les choses qu'ils ne doivent pas faire, ils doivent vivre. Non. Comme ça a dit Ta'ala. Jusqu'à ce qu'il leur montre. On doit leur montrer. On doit leur montrer. Par rapport aux produits douteux, que faire s'ils sont déjà achetés? Naam. Celui qui a des doutes, naam, qu'il ne les mange pas. Qu'il ne les mange pas. Qu'il les donne à des animaux, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il les donne à des chiens, à des poules, à des qui, à des, ouais, à des chèvres, à des brebis. Naam. S'il a des doutes, et qu'il dit que ça se mange pas, il y a des choses que je ne dois pas manger. Non. Et pour la dernière question, la personne qui a fait le khula et son mari a accepté. Ensuite, une sœur lui a dit que son khula n'était pas accepté, sauf s'il y a deux témoins, et qu'elle était toujours mariée à cet homme. Cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, non, s'est trompée en disant cette chose. C'est trompé en disant cette chose. Non. Même si elle a pris d'un avis de savant, sûrement qu'elle n'a pas dit ça de sa tête. Mais elle aurait dû dire attention à une divergence. Et aurait dû dire la plupart des savants, des éminents savants de l'islam, disent le contraire. Disent que deux témoins pour divorcer n'est pas une condition. C'est seulement une recommandation. Ou alors, au maximum, dire que c'est une obligation. Mais pas une condition. Pas une condition. Et le fait de dire que pour divorcer, il faut
comme condition deux témoins, sinon le divorce n'est pas valable, sachez que c'est l'avis du madhab des rawafid, les chiites. Parce que cet avis a été pris de Ali ibn Abi Talib, le grand sahabi radhiyallahu anhu, qui a pris sa vie, et comme ça, ensuite c'est devenu savant musulman. C'est que les deux témoins ne sont pas une condition. Mieux que cela, Shoukani rahimahullah, dans Nail Autar, a cité l'ijma, le consensus des musulmans, que deux témoins n'est pas une condition. Et ce consensus ijma l'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dans son livre Boulour al-Mara, tome numéro 1. Il a cité l'ijma que quoi? L'ijma, c'est-à-dire le consensus que pour divorcer, ce n'est pas une condition d'avoir deux témoins. C'est juste une recommandation ou au maximum une obligation. Et si quelqu'un dit oui, mais plus c'est une obligation, j'ai pas fait d'obligation, on lui dit ça. Si c'est une obligation et que tu n'as pas fait cette obligation, tu as un péché, c'est tout. Mais le mariage, ou là, le khol, ou là, le divorce, là, c'est là eu lieu. Non. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل أخي ما شاء الله. تفضل. Donc si vous pouvez m'envoyer inchallah votre adresse MSN, l'adresse mail pour que je l'envoie à la personne, vous l'en faites. Assalamu alaikum. Est-ce que je peux faire la prière du voyageur, sachant que je vais aller travailler tous les jours à 30 km de chez moi et que je rentre chez moi le soir? Si ce n'est pas possible, pouvez-vous me donner des preuves, car dans la Salafia, on m'a appris qu'il fallait des preuves pour appuyer une chose, car j'ai entendu le prophète, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière du voyageur, même s'il parcourait une petite distance, tant qu'il sortait de la ville où il était. Ah, Mohamed, on perd beaucoup de temps. Barakallahu fik. J'ai entendu une seule question. Tafadhal. C'est bientôt 22h. Voilà, deuxième. Salam alaikum, cher. Voilà, mon mari vient de trouver du travail dans une entreprise où il crie des colis. Dans le travail, il est parfois amené à prendre des colis où il y a des bouteilles d'alcool ou autre. En fait, il ne sait pas ce que contient ces cartons, car ils sont emballés, ils sont fermés. Il scanne le code barre du carton, ensuite, il les range par palette. Mon mari a quelques dettes. On n'a pas de logement dans la région où mon mari travaille. On est hébergé par des proches, comme je le disais. On voudrait savoir par rapport à ce travail s'il décide de continuer là-dedans, en sachant qu'il ne sait pas vraiment ce que contient ses colis, et qu'avec cet argent, il pourra rendre les dettes qu'il doit, ou bien trouver un autre travail. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, cher. Hayakum Allah. Peut-on considérer ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90 comme un jihad qui s'habilisait? Barakallahu fikum. Troisième question. Assalamu alaikum. J'ai écouté le cours sur le fiqh de Shir. Le Shir a dit que pour les femmes, elles ne peuvent pas passer les mains sur le voile après avoir fait les ablutions sur la tête. En fait, la personne, en fait, elle vous a directement posé la question du cours. Assalamu alaikum, cher. Ma question est la suivante. Lorsque je vais aux toilettes et que je fais mes besoins, il y a des éclaboussures d'eau mélangées avec de l'urine qui me souillent involontairement. Ma prière reste-t-elle valable après avoir fait mes ablutions? Quels sont vos conseils pour le clorofécum? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, cher. Quelle est la différence entre l'arche et le kursi, c'est-à-dire le trône et le repose-pied? Dernière question.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, pouvez-vous m'expliquer avec précision à quel moment doit-on faire la dua de Salat Istikhara et que doit-on faire de nos mains lorsqu'on. Que doit-on faire de nos mains lorsqu'on l'a fait? Doit-on les lever ou bien continuer à bouger le doigt? Qu'Allah vous réponde. La quatrième question, tu ne l'as pas terminée. Tu as dit que. J'ai entendu le cheikh. D'abord, c'est quel cheikh celui-là qui a dit que ce n'était pas permis que la femme essuie au-dessus de son voile? Non, on n'a pas terminé cette question. Hein, cheikh. En fait, donc, il parle de vous, Allahu A'lam. En fait, donc, il voudrait carrément directement poser sa question au micro. Elle était très courte. Moi, j'ai lu ce qui était marqué en privé. Akhi Mohamed, la personne qui veut poser la question, c'est qui? Pour qu'on la dérête, c'est qui? Non, mais j'ai cherché dans la liste, je n'ai pas trouvé. Abou Céline 1, par Khlofik, où est-ce que tu es et lève ta main, Jazakallahu khairan. Abou Céline 1, est-ce que tu es là, Abou Céline 1? Si oui, lève la main, barakallahu fik. On a dit tout à l'heure qu'il y a des endroits où c'est pas bien de lever la main. Ici, c'est bien de lever la main. Hein? Maintenant, là où on est sur le plateau, c'est bien de lever la main, mais une seule. Où est-ce qu'il est? Cinquième en haut. Attends, je vais voir. Trop de la boussine, tu n'as plus le raid. C'est quoi la question, Chabba? Abou Sénin, Akh Mohamed, peut-être qu'Abou Sénin n'est pas là, peut-être qu'il y a seulement son nom, hein? Peut-être qu'il n'est pas là. Très bien. Même si, en fait, il est là, parce que, bon, en fait, il me dit qu'il ne peut pas la poser sur. Il ne peut pas se poser sur le salon. Frère, sur là. Et si vous voulez gagner du temps, cher, bon, par rapport au raid, etc. Et tout, donc, si vous voulez que je rentre en admin avec vous, pas de problème de mon côté, cher. Très bien, cher. Asmak, Akh Mohamed et Abou Sirin, Allah est dit, tout ce qu'on a perdu comme temps, ensuite il ne peut pas poser sa question. Il ne peut pas poser sa question. Donc je ne vais pas répondre à la question de le voile essuyé sur le voile puisque elle a été citée à moitié et je n'ai rien compris. Pour la prière du voyage à partir de 30 km, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Car ceux qui disent que il faut il faut une limite. Disons, il faut une limite. Yani, pour pouvoir raccourcir la salat, il faut une certaine distance, c'est pas limite. Là, ceux qui disent qu'il faut une certaine distance pour pouvoir raccourcir la salat, ce sont ceux-là qui n'ont pas de preuve bien de l'aïtar. Là, donc, s'il veut, à partir de 30 km, il veut raccourcir des salats, ces salats, il peut le faire bi-idnillahi ta'ala. Celui qui dit, celui qui va lui dire qu'il ne peut pas, c'est celui-là qui doit donner des délits comme quoi il ne peut pas. Non. Taïb. Pour la deuxième question, les cartons, colis, etc. Je dis, Wallahu ta'ala alam. Si la personne sait que, en travaillant dans ce travail, elle risque d'envoyer dans des cartons, dans des colis, dans ce cas, il ne lui est pas permis de travailler dans ce travail. Pourquoi? Car la règle dit « مَا لَا يَتِمُ تَرْكُ الْحَرَامُ إِلَّا بِتَرْكِهِ فَتَرْكُهُ وَجِبٌ. Je répète « مَا لَا يَتِمُ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِتَرْكِهِ فَتَرْكُهُ وَجِبٌ. Ça donne en français « Si je ne peux m'éloigner du haram
qu'en délaissant une chose, alors délaisser cette chose devient obligatoire. Je répète, si je ne peux m'éloigner du haram, qu'en délaissant des choses comme ça, certaines choses. Donc, délaisser ces choses-là devient une chose obligatoire. J'ai deux poulets, hein. Bon, c'est pas vrai, c'est un exemple. Si j'avais deux poulets ici, je ferme le salon et je vais manger. Supposons, par exemple, j'ai deux poulets. Et on vient de m'apprendre que l'un des deux poulets n'a pas été égorgé. Ou alors j'ai trois poulets. Et l'un des trois n'a pas été égorgé. Deux poulets sont égorgés, le troisième n'est pas égorgé. Mais oui, mais lequel des trois n'est pas égorgé? Allahu a'lam. Comment je vais faire? Je vais dire, Shadi, Mahdi, Khalli, Razi, comment je vais faire? Je ne sais pas. Ici, qu'est-ce que je fais? J'applique la règle. Ma la yatimu tarku al-haram illa bitarki tarku wajib. Ici, pour sortir du haram, qu'est-ce que je dois faire? Pour sortir du haram ici, je dois délaisser les trois poulets. Ne pas manger deux poulets qui sont halal à cause du troisième qui est haram, mais je ne sais pas où est le haram. Ici, quand il va travailler dans ce travail, il va envoyer des colis, bien sûr, qui sont halal. Il va envoyer des livres qui sont halal, des chocolats qui sont halal, je ne sais pas quoi. Mais, de temps en temps, il envoie de l'alcool, du champagne, je ne sais pas quoi. Et il ne peut s'éloigner du haram et de l'alcool et du champagne qu'en s'éloignant de tous les colis. Donc cette personne, je lui dis, moi, je ne vais pas lui dire arrête maintenant de travailler, mais je lui dis commence à chercher ce travail, commence à faire des douas, envoyer des lettres, je ne sais pas comment ça s'appelle, aux sociétés, aux ministères, aux gamelets, aux boîtes privées, jusqu'à ce que Allah Ta'ala te fasse une solution. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ou dua al-istikhara. Dua al-istikhara, il y a une divergence entre les ulama quand est-ce qu'on dit cette dua. D'après Ibn Taymiyyah, on dit cette dua à la fin de la salat. C'est-à-dire, lorsqu'on s'assoit pour le teshahud, ensuite, on a terminé le teshahud, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ensuite on fait الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك أسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وتعلم الغيوب et on continue. Donc d'après Ibn Taymiyyah rahimahullah, la dua de la salat istikhara se fait juste avant de dire salam. C'est-à-dire après avoir dit les quatre. N'a'oudou kam al-'adab jahannam wa al-qabr wa fitnat al-mahya wa al-mamat, fitnat al-masih ad-dajjal, ensuite dua al-istikhara, ensuite as-salam wa alaykoum. Ça c'est l'avis de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mais l'avis le plus connu et qui est le plus juste inshallah ta'ala, c'est de faire la doua après la salat. Tu dis salam alaykoum à gauche, salam alaykoum, et tu fais la doua. Pourquoi? Car le prophète a dit, men hamma bi amri, il a dit si jamais l'un de vous est entre deux choses, et toi, tant que tu n'as pas dit salam alaykoum, tu n'as pas encore fait les deux rak'at. Il faut faire les rak'at et dire salam alaykoum, pour qu'on puisse dire de toi, tu as fait deux rak'at. Et là, on fait dua al-istikhara. Et dua al-istikhara, maintenant, si l'avis, inshallah ta'ala, le plus juste, c'est de le faire après avoir fait deux rak'at. Tayyib. Et après avoir dit salam alaykoum. On lève la main, on ne lève pas. On reste assis à sa place et on dit Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, astakhiruka bi'qudratik, astakhiruka min fadlika al-'azim. Et on termine la doua.
Ici aussi, il y a une divergence. Quand est-ce qu'on dit يعني, la chose qu'on veut? Est-ce que lorsqu'on dit اللهم إن كان هذا الأمر خير لي إن كان هذا الأمر est-ce que ici il cite sa chose اللهم إن كان هذا الأمر par exemple يعني l'achat de cette maison خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وأجل لي وبارك لي فيه ou bien on laisse jusqu'à ce qu'on termine du'a istikhara, là c'est terminé et on dit yani, c'est en ce qui concerne telle et telle chose. Là aussi il y a une divergence. Certains ont dit, la plupart ont dit tu dis ta chose au milieu et l'autre ont dit tu dis ta chose quand tu termines la du'a, là c'est terminé, tu dis c'est pour le mariage, c'est pour telle chose. Car le hadith rapporté par Muslim a dit que c'est quand il termine la salat istikhara. Et donc hadith, dans certaines versions, que ça se dit au milieu. Donc s'il fait yani, l'une des deux, inshallah, c'est valable. Enfin, pour la personne qui a dit ce qui s'est passé, deux questions. La différence entre l'arche et le coursier. Attention, l'arche, c'est pas le coursier. C'est pour ça que c'est malheureux quand on dit certains cours en français. On trouve dans Ayat al-Kursi, il te dit Ayat du trône, Ayat al-Kursi. Alors que le Kursi, ce n'est pas du tout le trône. Le trône, c'est une chose, et le Kursi, c'en est une autre. Le trône en français, c'est Al-Arsh, l'Arsh, le trône. Non. Et le Kursi, c'est le repose-pied. Imaginez seulement quand on a un fauteuil. On a le fauteuil, et quand on s'assoit dessus, il y a où on met les pieds, ça s'appelle le repose-pied. Des fois, il y a certains fauteuils, comme par exemple la chaise roulante, tout là, elle a le repose-pied. Les sept yeux, comparé au repose-pied, il a dit, c'est comme une bague jetée en plein désert. C'est-à-dire, si on va comparer, yani, le repose-pied, les cieux et la terre, les sept cieux et la terre, avec leur grandeur, leur immensité, on va les comparer à l'immensité de quoi? Du repose-pied, c'est comme une bague jetée dans le désert. Il a dit ensuite, quoi, Fadlul Arsh, et yani, l'importance ou la du arche du trône sur la suprématie du arche du trône sur le repose-pied, c'est comme l'immensité, la suprématie de quoi? De ce désert par rapport à la bague. Par rapport à la bague. Et ce hadith est authentique, bien sûr, si vous voulez dans Sicilas Sahih, le Cheikh Al-Albani Rahimahullah. Donc, le hadith a cité quoi? A cité le repose-pied et la. Comparé par rapport au sur la terre, qu'est-ce qu'il vaut? Ensuite, il a cité le trône et il l'a comparé par rapport au repose-pied pour montrer qu'il est plus supérieur à lui. Enfin, pour la personne qui a dit ce qui s'est passé en Algérie pendant les années 90, est-ce que c'est un djihad ou c'est pas un djihad? La réponse, c'est pas un djihad. C'est un qital fitna. C'est un qital fitna. Ce sont les musulmans qui s'entretuent entre eux. Le djihad, comme j'ai dit une fois, a beaucoup de conditions, ou du moins trois. La première et la plus grande, c'est que ça soit derrière un gouverneur. Non. Et que l'étendard raya ne soit pas oumiya, clair, obscur. Avec clairvoyance. La première condition, c'est quoi? Que ça soit derrière un gouvernant. Ou un gouvernant. Ce n'est pas nous. On va se réunir dans un café et on va sortir les sabres et les épées. On va faire le djihad. Ça, c'est le qitel. C'est la fitna, ça s'appelle.
Celui qui meurt, il meurt meitat jahiliya. Il meurt comme mouraient les gens dans la période anti-islamique, avant l'islam. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari, il a dit, innama l'imam, il a dit, l'imam ou junna, il a dit, le gouverneur, l'imam, celui qui est derrière lui, ou yutaqabi, il a dit, et on se cache derrière lui. Qui? Le gouverneur. Donc qu'est-ce qu'il a dit du gouverneur? Il a dit, c'est un bouclier en combat derrière lui. Et même, autrefois, à l'époque de Moussa, etc., et les gens savaient que pour combattre, il fallait un gouverneur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alam tara ila al-mala'i min bani Israël min ba'di Moussa. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ne vois-tu pas les gens de Ben Israël après Moussa? إذ قالوا, quand ils ont dit à un de leurs prophètes, qu'est-ce qu'ils ont dit? ابعث لنا, envoie-nous, ابعث لنا ملكا, envoie-nous un roi, نقاتل في سبيل الله. Envoie-nous quelqu'un, un roi, pour combattre. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui nous guide pour qu'on combatte. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de djihad sans gouverneur. Et sans l'étendard soit clair. Et sans, bien sûr, sans être préparé, sans les autres conditions. Fadal, inshallah ta'ala. Madame Cheikh. On comment prendre en fait le dua. En fait, pour les mains levées, si vous pouvez en fait, donner l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Salam alaikum Cheikh. Est-il permis aux femmes de visiter les tombes? Et si vous savez où se trouve le Dalil, on le croit au fait qu'on. On demande le Dalil qui n'est pas dit. On le croit au fait qu'on, Cheikh. Par contre, Cheikh, vous avez oublié une question tout à l'heure sur les 5. Il y avait la question. Donc, quand la personne elle va aux toilettes, quand elle fait ses besoins, donc il y a des éclaboussures d'eau mélangées avec de l'urine qui souillent involontairement la personne, il demande si la prière elle reste valable après avoir fait les ablutions et quels sont vos conseils dans la prière au fécond. On va faire carré. C'est par rapport donc, le fait de lever les mains, on vous demande son avis à lui. J'ai pas compris. En ce qui concerne Taymiyyah, le fait de lever les mains, où? Dans les doigts, dans l'istikhara, où? Où exactement? Pour les éclaboussures, quand on va aux toilettes, etc., je donne un conseil à mes frères et mes soeurs et à tout le monde. Non. Celui qui va aux toilettes, qu'il fasse son possible, pourquoi? Pour yani, éviter les éclaboussures. Pourquoi? Pour ne pas avoir les ouswas. Audhubillah, si quelqu'un commence à avoir les ouswas des toilettes et de dire, je ne sais pas, peut-être que si j'ai une tache d'urine, peut-être que si j'en ai une autre, attends, je vais voir ceci, je vais voir cela, Audhubillah, il va passer yani, des moments vraiment difficiles et des moments pénibles. Et le shaitan, peut-être qu'il va même le posséder ou l'ayat de l'Ubillah. Ça, je conseille à toute personne, naam, qui rentre aux toilettes, naam, de faire le maximum pour éloigner les ouswas. C'est-à-dire, naam, de se laver doucement, sans éclaboussure. Si j'ai une éclaboussure, ma'alish, que je fais bien attention où c'est l'endroit d'être, ensuite, quand je sors des toilettes, je lave mes mains, ensuite, je lave la partie hadith, je lui jette de l'eau. Où j'ai cru voir des éclaboussures, par exemple. Naam. Mais attention, yani, ça peut arriver une fois par an, ou là, une fois tous les deux ans, ou là. Mais chaque fois que je rentre dans les toilettes, yani, je vais sortir, je vais dire j'ai des éclaboussures, etc. C'est pour ça qu'on islam, par exemple, il est permis à l'homme d'uriner debout, mais à condition qu'il n'y ait pas d'éclaboussures. Le prophète islam, dans Sahih al-Bukhari, a uriné avant-dit à condition qu'il n'y ait pas d'éclaboussure.
si je sais que je vais dans un endroit où si j'urine debout pour l'homme, il va y avoir des éclaboussures, je serai obligé de m'asseoir pour uriner. Non, donc, c'est la même chose, je vais revenir à ma question, Inch'Allah. Abou Sirin, tu n'as posé aucune question. Ya Abou Sirin, tu n'as posé aucune question. Tu as demandé le mic, on te l'a donné, tu as dit, je ne sais pas, je vais pas le prendre. Non. Taïf, c'est quoi ta question, Sadbat? Salam alaykoum, cher, vous m'entendez? Salam alaykoum, cher. J'ai une question, Inch'Allah. J'ai écouté un cours de fiqh. Vous avez dit comme quoi les femmes, elles ne pouvaient pas. Comment je peux dire elles ne pouvaient pas faire si elles font l'odo. Donc elles font l'odo sur ses cheveux normalement. Et d'après, si elles mettent leur foulard, vous avez dit comme quoi elles ne pouvaient pas faire le mess sur son voile. Je voulais savoir c'est quoi le dalil à ce niveau-là. Et de plus, je voudrais savoir, il y a quelqu'un qui, là où on habite nous, il y a un frère avec qui je m'entends bien et subhanallah, il a une certaine variante. Et je ne sais pas comment lui expliquer. Il dit, ce frère-là en question, il dit que celui qui ne fait pas salat, c'est un kafir. Donc il est complètement kafir, il n'est pas assis, mais il est kafir. Et je voudrais savoir comment je pourrais faire pour répondre à cette question, Inch'Allah. Barakallahu fik, smahli, frère. Mohamed 64. Salam alaykoum, barakallahu fikoum. Hayakallah, Cheikh. Alaykoum salam, wa barakatou. Pour le fait que la femme n'essuie pas sur le voile, naam, mais qu'elle essuie sur ses cheveux, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmallah, dans son livre, Sharh al-Mumti'a. Sharh al-Mumti'a 1 ou 2. Tombe 1 ou tombe 2, mais que elle pouvait essuyer dans les cas où il y a un embarras. C'est comme par exemple, disons, elle a mis du henné sur sa tête. Elle a mis du henné, maintenant c'est le moment de faire la salat. Sûrement qu'elle ne peut pas maintenant toucher ses cheveux avec de l'eau. Elle a mis un foulard, donc elle essuie par exemple sur son foulard. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, à chaque fois qu'il y a un embarras, par exemple elle a mal à la tête, elle a la sinusite, elle ne peut pas toucher par exemple même avec de l'eau, dans ce cas, elle essuie dessus. Ou elle est dans un endroit par exemple où il y a des hommes, elle va faire l'eau d'eau. Comment qu'elle va faire? Il n'y a pas de solution par exemple. Les hommes sont en face, oui, dessus. C'est un exemple. Mais, le Cheikh Rahimallah dit, mais si c'est sans raison, c'est pas valable. Car le verset a dit qu'il fallait essuyer sur les cheveux, pas sur le khimar. Et c'est valable pour les hommes, pour les femmes. Il faut qu'il y ait une excuse, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimallah, c'est ce que j'ai voulu dire dans mon cours. Naam. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Pour la salat. Naam. Pour le frère qui a dit que celui qui fait la salat, il dit kafir. Il ne s'est pas trompé en fait, mais seulement, dis-lui, est-ce que les savants de l'islam, tous les savants, à partir des sahabas jusqu'à l'imam al-Albani, rahimahullah, est-ce que sont-ils tous sur cet avis ou il y a une divergence? S'il dit, ils sont tous sur cet avis, tu dis tu es un menteur. Ou alors, pardon, tu es un riche pour ne pas dire un menteur, tu es un ignorant. La preuve, si on prenait seulement des derniers, on va dire, aïe, Cheikh Al-Albani par exemple, il ne dit pas qu'il est kafir. Aïe, Cheikh Ibn Taymiyyah, il ne dit pas qu'il est kafir. Aïe, Ibn Al-Qayyim, il ne dit pas c'est un kafir. Aïe, les quatre grands imams, aïe, l'imam Malik, Al-Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal, dans sa deuxième version de rapporté par le Mourni. Les quatre grands imams ne disent pas c'est un kafir. Alors mon frère, tu es un ignorant ou pas? Il n'y a pas plus ignorant que toi. Hadassi dit qu'il y a un consensus que c'est un kafir. Maintenant, s'il reconnaît des sahs, il y a une divergence. Tu lui dis,
s'il y a une divergence, pourquoi toi tu acceptes l'avis qui dit les kafirs et tu n'acceptes pas l'avis de celui qui dit pour moi il n'est pas kafir alors que tu reconnais toi-même qu'il y a une divergence. Akhabou Céline, prends le micro et dis-moi si tu as compris ou tu n'as pas compris, je répète, car il n'aura pas d'autre solution. Il prendra ou bien du premier cas, première alternative ou deuxième, c'est tout, il n'y a pas de milieu. Alors dis-moi si tu as compris ou bien je répète. Abou Céline, tu es là, Akhina? Est-ce que tu es là? Anam, salam alaykoum, cheikh. J'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué. Je vais vous donner juste un exemple. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est des parents qui sont d'un certain âge. Donc, ces parents-là, ça peut être n'importe qui. Subhanallah, ça veut dire s'ils vont faire, par exemple, ils vont dans des zawiyas au bled en Algérie. Madalan, ils vont voir des zawiyas, même s'ils y croient pas, ils vont dire oui, c'est des sahaba, mais madalan, on va faire quand même une offrande ou la hajja comme ça. Est-ce qu'on peut dire ces gens-là, ce sont des kafirs, donc ils sont sortis du din et puis ils vont aller faire jahannam, khalidina fiha abada, ou là, ils vont dire, on va dire, ils sont assis, ils connaissent pas de din, ils connaissent rien du tout, et madalan, redoit, inshallah, bi'idn rabbil alamin, demain ils vont sortir faire jahannam, et puis Allah azawajal, inshallah, il va leur faire miséricorde. Est-ce que ça peut être ce choix-là, ou là on va dire ils sont khalidin fiha, carrément, ça veut dire qu'ils jamais vont sortir de Jahannam. Est-ce que c'est ça ou pas? Répondez-moi, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Wa alaikum salam, Inch'Allah. Non, c'est le deuxième choix. On ne va pas dire ils sont khalidin à demain fi Jahannam tant qu'on n'a pas la certitude que la preuve a été établie contre eux et que quoi? Et que il ne veut pas revenir vers la vérité. On met qu'un Allah ou l'yudilla qawman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun hatta yubayyina lahum yubayyin. Il faut que leur montrer. Allah Ta'ala a dit wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Je répète, ومن إلى قوم سبعة ومن يشقق الرسول من بعد ولا لثموا من بعد ما تبين له الهدى. Et celui qui fait défi dans son messager après que la guidée ou la guidance lui ait été montrée, il était bien le الهدى. Donc moi, ceux qui vont aux zawiyas, ceux qui font des offrandes, etc. Non, s'ils savent. Et on leur a montré, et on leur a établi sur eux la preuve que ça c'est du coq et du chiffre, et ils disent non, bah, je ne reconnais pas ça. Allez, laisse-moi adorer Allah comme je veux, allez, bah, celui-là, voilà, s'il meurt, c'est vraiment grave pour lui. Mais si lui il ne sait pas, et il croit qu'il se rapproche d'Allah, et que hein, c'est comme ça qu'on lui a appris, et que, naam, on lui a dit que ça va, et que si. Fait comme ça, Allah Ta'ala va t'aimer, etc. Non, celui-là, je n'ai pas, moi, yani, le courage de dire que celui-là, khlas, il va rentrer. Jahannam khalidin fiha. Celui-là, il faut salah 19. Il faut salah 19 qui vient lui dire que khlas, tu es dans Jahannam khalidin fiha. Moi, non, je n'ai pas ce courage. Je dis comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit comme. C'est pas quand il ne sait pas. Quand il sait, qu'il a fait du coffre. Si on va commencer à citer yani, des exemples, et même des sahaba qui ont dit des choses qui apparemment c'est du coffre, alors qu'ils ne savaient pas, ben, regardez, on va loin. Seulement le grand sahabi, Mu'adh ibn Jabal, qui a fait un soujoud au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire le soujoud, c'est du coffre ou c'est pas du coffre? À une personne, c'est du coffre. Et le prophète lui a dit, c'est quoi? Tu fais des choses pareilles. Il peut dire, Rasulallah, j'étais en Syrie, j'ai vu les gens faire comme ça à leurs prêtres et à leurs évêques, etc. Et je me suis dit, tu es mieux qu'eux, tu mérites plus qu'eux. J'ai fait ça. Il lui a dit, non. Si jamais quelqu'un devait
devait se prosterner à un autre, alors j'aurais ordonné à l'épouse de se prosterner à son mari. Si jamais ça se faisait. Est-ce qu'on va dire que maintenant ce sahabi là, il est kafir, khalidan, il jahannam khalidan, parce qu'il a fait yani, un soujoud? Non, on ne peut pas. Non, c'est comme ça que yani, on doit, yani, on doit quoi? C'est comme ça qu'on doit yani, concevoir les choses. Allez doucement, bidna ta'ala, avec science, avec sagesse. Non, celui qui est kafir, il est kafir. C'est mieux chez Allah Ta'ala que tu fasses le contraire. Qu'il y ait un musulman et que tu te trompes, tu dis c'est un kafir. Vous savez, vous avez compris. C'est un kafir, voilà. C'est un kafir, un grand kafir, très connu, un athée. Et ce par là, il m'a feinti, je me suis trompé, j'ai dit de lui c'est un musulman. C'est mieux que toi que voilà un musulman là-bas. Qui n'arrête pas de prier, de faire ibadat, et je dis de lui, c'est un kafir, même en me trompant. Car même en me trompant, si je dis de lui, c'est un kafir, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'âme, il n'a pas le droit d'être marié à un musulman, ni le droit d'hériter, ni le droit qu'on lui dise salam alaykoum, ni le droit de le laver s'il meurt, ni le droit de l'enterrer avec les musulmans. Et regardez ce qu'il a perdu à cause de mon ignorance, ma faute. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, juste au moment du cours, j'avais des invités. Normalement, je n'allais pas faire le cours. Mais quand je vous ai vu comme ça dans la salle et le salon, je me suis dit quand même, les gens sont venus, je ne vais pas les laisser comme ça. Non. Et donc, je vais arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Pour aller manger aussi, bidoulaye ta'ala, pour vous donner rendez-vous dans 2 jours seulement, inshallah ta'ala, samedi. Dans 2 jours, inshallah ta'ala. Fikum barakallah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous apprendre notre religion. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider davantage. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala éloigner de nous toutes les fitnas, toutes les maladies, tous les malheurs. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire des issues à nos problèmes. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider nos enfants, les guider encore plus, aider nos épouses, aider nos maris. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faciliter la science, l'âme de son dîme, l'apprentissage de la science de son dîme avec sagesse et hikmah. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.